formidable, mesdames, messieurs. Sans joke, ladies and yes men, with no joke. Les Québécois de toutes origines méritent beaucoup mieux pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ils méritent davantage que de se faire surtaxer et humilier par tous les paliers de leurs multiples et trop nombreux gouvernements. Ils méritent, à mon humble avis, des dirigeants inspirants, intègres, incorruptibles, dans une nation essentiellement francophone, parce que francophone dans son essence, mais accueillante, raisonnable, mais fière de son identité, et fière aussi de sa diversité, et protégeant sa biodiversité. Un peuple qui se souvient, certes, mais qui va de l'avant, pour bâtir un coin du monde pacifique, ouvert, vert, qui soit un modèle inspirant pour toute la planète et pour l'Alberta. Un pays et une culture qui seront plus jamais inquiets de leur survivance, mature, normale, qui nous appartiennent pour vrai, et dans lequel on devrait peut-être pouvoir décider nous-mêmes de notre avenir. C'est rien de révolutionnaire, c'est juste normal. Tous les peuples le font. Pourquoi pas nous, bon Dieu? Why the fuck not noon? Seulement, ça crie plus que ça, à la fin. Bougez pas, j'ai perdu ma feuille. Parce qu'il n'y a pas de feuille, je me souviens jamais de son maudit nom. C'est un nom italien, Pierre.